réveiller, tu me boycottes pas comme ça, si c'est où toi? Hein? C'est qui que tu réveilles 15 fois par nuit? C'est qui que tu réveilles dans la nuit? C'est moi. C'est moi. C'est maman. Oh, moi je te mange quand même. Et oui, c'est ta maman bipolaire. Et oui, c'est celle qui braille la nuit et le matin qui est contente de te retrouver. Bon, on en parle de cette tête. Ok les amis, hein, j'espère que vous en êtes bien. Ici ça va à peu près, ça y est j'ai émergé parce que ce bébé m'a fait passer une nuit de fur. Non mais cette nuit j'étais à un point où je me suis dit, demain soir je te fous un lait artificiel dans la bouche pour que ça te calme. Alors que ça ne veut strictement rien dire, je le sais. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que vers 8h il dort. 8h, 8h30. Donc de 8h à 8h30 jusqu'à minuit et demi, voire 1h, si on tire, il dort. Ce qui est énorme, ça fait 5h tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que nous, on se couche à quelle heure? Minuit et demi, 1h aussi. Et oui, donc du coup, je suis fatiguée. Quoi qu'hier, je me suis couchée, c'était 11h30. J'ai fini le montage et tout. Non, mytho. Hier, le temps que je fasse le montage de retour. Et tout, et j'ai dû me coucher, dû être minuit 10, quelque chose comme ça. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé l'heure, il était minuit 10. Sauf que, bah, forcément, qui dit minuit 10 dit hyper fatiguée, la meuf. Bah, oui, oui. Donc, à 1h, j'ai fait la première, 1h, 1h30, j'ai fait la première tétée. Je sais qu'il était plus d'une heure, ouais, on va dire ça comme ça. Mais lui, il avait déjà dormi plus de 5h, cet enfant. Bah, oui, donc, du coup, il était bien. Oui, sauf qu'après il m'a réveillé à 3h et après à 4h30. Et vers 4h30, 5h, je pense que si je le lève, il sera opérationnel, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je le mets dans le lit avec moi et on tourne, on fait des tétés de chaque côté. Mais j'ai l'impression que de tétés sur le côté, ça me fatigue moins du coup, donc je pense qu'à mon avis, je vais capituler, tu vas finir dans le lit avec maman. Hein. Oui. Et ce matin à 7h30, il était réveillé, j'avais l'impression qu'il était 2h du mat dans ma tête. Donc je disais, Vincent, lève-toi, je suis rincée. Il me dit, mais il est 7h30 maintenant. Oh. Ben, je vais changer la fesse, au moins. Je m'occupe du déj des filles. Je préfère couper du kiwi, parce que le matin, je suis tellement rincée. Il a que 4 mois, hein, ce que je disais à Vincent ce matin. Je dis, nous, on est en mode, on a envie qu'il fasse ses nuits direct, mais si à 1 an, il fait ses nuits, on peut dire que c'est bien. Il y a des enfants à 1 an, des fois, qui font pas leur nuit. Mais Evie a fait ses nuits vers 6 mois, quand j'attaquais le taf. Oui. Et Léonie a fait ses nuits. Bah, Léonie, c'était un bébé miracle, je pense. Hein. C'était les bébés qui n'existent pas trop, ou que dans notre imagination. Parce que moi, Léonie, on est rentrée. Les deux premières nuits, elle a dû faire 1 ou 2 réveils dans la nuit, et c'est tout. Moi, elle a fait ses nuits directes. Mais Léonie, je me suis pas levée une seule fois pour savoir, pour lui donner un bibi ou quoi que ce soit. Quoi. Donc, ouais. Voilà. Normalement, ce mois-ci, on est censé attaquer. Il faut que je prenne rendez-vous avec ça, d'ailleurs. On est censé attaquer la diversification alimentaire. Autant vous dire que je sais qu'il en est strictement incapable pour le moment. Il se tient pas beaucoup assis. Il essaye de se redresser, mais voilà. Et il s'intéresse pas du tout à l'alimentation parce que la plupart du temps, quand on mange, il n'est pas avec nous. Donc là, je dis à Vincent, il va falloir qu'on mange normalement, aux heures entre guillemets un peu plus régulières, ne serait-ce que déjà pour notre corps, pour le body, et pour qu'il s'intéresse entre guillemets. Mais là, à midi, je vais quand même tester. Je vais faire une espèce de petite purée de courgettes. Ouais. Et je vais voir sa réaction. Voilà. Pour moi, il n'est pas prêt, mais ça se trouve, voilà, il est prêt. Peut-être qu'en mangeant un peu plus, ça va le caler un petit peu plus, quoi. Parce que là, s'il mange une ou deux cuillères aujourd'hui, ça serait déjà bien, vous voyez ce que je veux dire. Mais on va tester. Et puis, je vais lui donner des petites choses un petit peu molles dans la main. Je vais pas faire la DME, moi. Je m'en sens pas capable. Mais je vais faire comme pour Maybe. On avait fait un mix des deux. On avait attaqué pour lui donner 2-3 purées par-ci par-là. Et à table, quand il y avait des choses très molles, on lui donnait dans la main. Parce que, bon, malheureusement, c'est la période où on n'aime pas trop. Mais forcément, ils s'en mettent plein les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je veux y aller mollo entre ça. Entre le fait que dans allez, moins d'une semaine, moi, je vais être en PLS. Parce qu'il va avoir 1 heure d'adaptation avec sa nounou. Donc déjà ça, le changement, si vous lui remettez une purée dans le visage, pour pas dire gueule, n'est-ce pas, je pense que ça fait beaucoup pour lui. Donc on va y aller piano. De toute façon, quand vous allaitez, vous pouvez très bien donner que du lait maternel jusqu'à 6 mois. Vous n'êtes pas obligé d'attaquer la diversification avant, et je vais le faire quand il se sentira. Voilà, tout simplement, on a le temps. T'as le temps de manger, t'as le temps. C'est juste que moi, ça me soulagerait un petit peu, mais tu as le temps, mon doudou.
Oui, t'as mon doudou. Bref, voilà, sinon bah là on est jeudi, donc du coup avec Vincent on s'attaque à faire le grande session de ménage. Je vais attaquer par la cuisine. J'ai fait tourner le lave-vaisselle en mode, vous avez vu au début de vidéo, j'ai mis le petit produit là. Mes filtres, je les fais une fois par semaine et le produit que je vous ai fait voir, je le fais toutes les 3 semaines à un mois environ. Donc voilà, j'ai le nez qui coulasse. Mais vit tous comme un phoque ce matin, elle était d'une humeur. Elle a mal dormi cette nuit, du coup elle dormait encore quand le réveil a sonné. Alors Maëvie, elle est comme moi. Pour ça, c'est tout son père, mais alors pour ça, c'est toute sa mère. C'est-à-dire que quand elle se réveille et qu'on la réveille, elle est du mauvais pied. Voilà, j'espère qu'ils vont pas nous appeler parce qu'elle toussait vraiment beaucoup. Donc voilà, écoutez, ce matin, c'est session ménage. Et j'ai des courbatures de fou aujourd'hui. De toute façon, on dit toujours c'est le surlendemain le pire. Là, j'ai les courbatures. Et d'ailleurs, cet après-midi, je veux faire un peu de sport à la maison. Oui, cet après-midi, je fais ça. Et il faut que je filme une face cam à la sieste de l'après-midi. Oh là là, finalement, bah si, finalement, j'ai plein de trucs à faire. Et la titi, fais tomber la titi. Et Léonie aussi a un petit peu de courbatures. Voilà, donc heureusement, on l'a bien préparé mentalement pour ça. Je sais pas si je vous l'ai dit hier en vidéo, quand je vous ai clôturé le vlog par rapport à la gym. Mais sa prof nous a bien expliqué qu'il fallait qu'on lui explique que c'était des courbatures. Voilà, donc du coup, on lui a expliqué avec des mots à elle, hein, que si elle avait mal, c'est parce que son muscle, il l'avait beaucoup travaillé, que du coup, il grossissait. Voilà, et que c'était normal. Et puis, vu que moi, j'ai rattaqué sport et qu'elle me voit, voilà, que pareil, j'ai mal, etc. Du coup, elle est rentrée dans la chambre, elle me dit « Ah, j'ai mal au bras quand j'aime ». J'ai dit « Ah, moi aussi ». J'ai dit « Mais tu verras ». J'ai dit « Nini, aujourd'hui, ça te fait un petit peu mal, mais demain, ça te fera un chouïa plus mal, parce que c'est toujours sur le lendemain, mais ça dure que 2 jours », je lui ai dit. Et on a commencé à anticiper hier, on lui a donné du Doliprane en prévention. Voilà, et on va continuer sur 2 jours, c'est pas grave. Les premiers temps, là, si elle continue dans l'objectif de faire de la compétition, si elle suit les entraînements, autant vous dire qu'il va falloir que son corps s'habitue, donc voilà. Je finis de blablater. Hein ? On va continuer le ménage. J'ai une flemme internationale, mais faut le faire. Faut le faire. Pas le choix. Pas le choix. N'est-ce pas ? Parce que là, entre la pluie et tout, c'est sale. C'est sale. Et puis c'était la journée du mercredi. Et c'est toujours crainte la journée du mercredi. Oui. Oui, moi, doudouni. Allez, je vous laisse. Première petite courgette, enfin purée de courgette en cours, purée de courgette maison. Je comprends pas pourquoi ils nous font du mal comme ça. Je n'aurais rien fait pourtant. L'oignon, à chaque fois, bon, qu'il soit rose, violet, vert, je chiale. Pose là, du coup je vais popoter pendant que je finis de faire ça. Attendez, je mouche ma hanouna. Du coup, je sais pas si ça vous fait pareil, mais vous voyez mes mains, c'est la courgette. Alors j'ai fait, voilà, du coup j'ai une tête, je suis toujours en pyjama, magnifique, je cuisine et tout, on s'en fout. Alors j'ai fait, je sais pas si vous faites pareil, je vous montre. En fait, c'est donc un bac à glaçons. J'ai fait une purée de courgette maison, hein, pour bébé Raph. Là, je vais lui faire goûter aujourd'hui celle-là pour voir. Et je garderai le reste et je vais y congeler après, hein, ce qu'il ne mangera pas aujourd'hui. Je regarderai juste un petit peu pour demain midi et c'est tout. Et en fait, là, j'ai fait des espèces de petits bacs de glaçons de légumes, du coup de la purée. Et en fait, au lieu de congeler un truc comme ça entier et de ne pas savoir ce qu'il va prendre et de jeter ou de faire du gâchis, et ben, au début, vous allez décongeler un truc de glaçon, puis deux, puis trois à la fois, etc. Jusqu'à ce qu'ils mangent une grosse quantité comme ça. Bon, ceux-là, je vais les congeler, là, les deux-là. Mais ça, voilà. Et c'est une bonne astuce, je trouve. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Mais bon, moi, j'avais fait ça depuis Léonie. Et c'est une bonne astuce. Du coup, là, il me reste de la courgette. Je vais couper avec... mes petits oignons là que j'ai fait, et je vais couper une aubergine avec. Je vais tout faire cuire au four pendant 20-25 minutes avec un petit peu d'herbe de Provence, de l'huile d'olive. Je vais faire revenir un tout petit peu de viande hachée et je vais tout mélanger comme une poêlée de légumes avec un petit peu de viande hachée. Normalement à midi c'était pâte, viande hachée, pâte, steak et tomate à la provençale.
Mais malheureusement, j'ai plus de tomates. Donc du coup, impro, et vu que j'avais la balle de courgettes de ma soeur, bah, tant que j'avais les mains vertes, autant se mettre dedans. Et du coup, je suis en train de faire, pas de la purée pour bébé Raph, non, de la purée pour nous ce soir. Ce soir, ça sera purée de courgettes, et je vais faire des petites tartines de pain de mie, genre coulis de tomates, jambon ou gruyère. Et je me ferai un œuf à la coque avec. Peut-être que Maeve, elle aimera. Enfin, je lui fasse goûter, tiens, l'œuf à la coque. Et voilà, et ça ira très bien. Et les filles, elles auront du jambon. Donc ça fera jambon, gnocchi, purée. Que demander de mieux? Que demander de mieux? Et si vous vous demandez pourquoi il y avait un brocoli, je sais pas si vous l'avez vu, c'est que je veux le congeler. Je vais le couper, le congeler, parce qu'il est en train de s'abîmer et j'ai toujours pas eu le temps de faire mon gratin de brocoli chou-fleur. Donc je vais le congeler, comme ça au moins, je vais pas le perdre. Ah bon, hop là. Dès que j'ai oublié de vous filmer mon plat. C'est fini. Bon, après, c'était exactement la même chose que quand j'avais fait ma pizza de légumes, là, vous voyez. Donc voilà, on a essayé la purée à bébé Raph. Alors, bon, j'ai pris mon téléphone pour filmer les premiers instants. J'ai pas pris la caméra puisque je vous filme pas son visage. Mais de toute façon, c'était un échec, mais c'était sûr. On a essayé juste pour voir. Mais ça se voit qu'il n'est pas prêt. Il n'y a aucun signe de quoi que ce soit qui pourrait dire qu'il est attiré par la nourriture. Et déjà, il mange pratiquement jamais avec nous. Enfin, il n'est jamais avec nous quand nous, on mange plutôt. Donc déjà, il ne peut pas s'intéresser à ce qu'on fait. Mince, il ne met pas ses mains à la bouche en mode tout seul. Genre, je mets tout à la bouche quand j'attrape quelque chose. Il met ses mains à la bouche de lui-même pour tâter la bouche. Mais quand tu lui donnes quelque chose à la main, il n'y apporte pas la bouche et il se tient. Il se redresse, mais il ne se tient pas du tout assis tout seul. Quoi. Il n'est pas du tout en capacité pour moi de passer à l'alimentation variée. Donc, bref, c'est pas grave. Comme j'ai dit à Vincent, on a ce qu'il faut. Et puis voilà, ce mois-ci, ça va plus être de la découverte. Au pire, avec nous, hein, ça ira très bien. Et puis voilà. Alors, aussi, quand je mange une banane, des fois, je le mets dans le. J'en mets un peu dans la main, je l'écrase et je lui fais manger mon doigt. Et il tète, il aime bien. Il chouine même quand j'enlève le doigt. Donc. Après, comme tous les enfants, est-ce qu'ils seraient plus attirés par le sucré? Le principal, c'est que j'ai fait mon repas pour ce soir. Il restait des pâtes de ce midi, donc je les ai gardées finalement ce soir. Normalement, ça devait être gnocchi pour les filles, mais non. Elles ont le reste de pâtes donc, de ce midi, avec de la purée de maison de courgettes et une petite tranche de jambon. Ça ira très bien. Et elles auront le droit à la fin à la danette au chocolat ou un truc comme ça. Et nous ce soir c'est je vous ai dit œuf à la coque, purée. À la base ça devait être soupe, mais finalement j'ai fait une purée de courgettes, donc purée. Et je vais faire des mouillettes, mais je vous filmerai. Faut vraiment que je pense à vous filmer, parce que des fois en fait on est tellement dans le rush, bah vas-y on mange tout de suite machin, que j'en oublie de vous filmer des fois quelques prises. Bref, on va passer la serpie, il est 3h, on est tranquille, vu que bébé Raph a été à sa seconde sieste. Je vais bosser sur mon vlog de mardi, comme ça au passage. Et puis voilà, j'aurai pas eu le temps de faire Zumba et Zumba, là je voulais faire un peu de sport, je vais voir. Peut-être que dans la journée j'aurai le temps, et puis arrêtez de se laver. Vous avez vu, mais elle se lave à quelle heure? Mais moi quand je suis à la maison, mon pyjama est ma tenue. Je suis arrêtée, je suis sûre que vous êtes un peu pareil de temps en temps. Vous aimez bien. Là je sors pas moi, hein, parce que généralement c'est Vincent qui va récupérer les filles et tout à l'école. Donc moi, vu que je sors pas, je vois pas l'utilité trop de m'habiller quand c'est comme ça. Hein. À part si voilà j'ai un truc de prévu ou que je sais que voilà il y a quelqu'un qui passe. Mais surtout quand je suis en mode gros ménage comme ça le jeudi là. Moi aucune utilité de me laver avant. Bah, après généralement je me lave quand même avant que les filles elles arrivent. Pour éviter que bah, on en soit dans le rush, machin. Mais voilà. Le blattage. Bon, ça y est, je me suis changée. Je reviens notre pyjama. Mais je suis à la douche, j'ai lavé la tignasse. Bref, du coup, on est au moment du repas. Donc, les filles. J'ai un cheveu. Les filles, donc, du coup, c'est le reste des pâtes, comme je vous disais. Donc, coquillettes. Et dessus, je leur ai mis du comté râpé de chez Côté-Al. Hyper bon. Alors, je leur ai fait goûter un petit peu comme ça dans la bouche, là. Trop, trop bon. Bref, donc, je vous montre vite fait. Bien fait, bien fait, bien fait. Une petite purée de courgettes, du coup, avec donc les coquillettes et le comté râpé. Et du coup, avec ça, des petites tartines. Enfin, en gros, c'est du pain de mie avec du coulis de tomate, un peu d'origan, du chorizo et du gruyère. Voilà. J'ai envie de vous dire qu'elles sont plutôt bien, bien logées ce soir. T'as pété où? Ah, Raph! Tu l'as vexé aussi, tu te moques de son prout. Allez, je vais sortir tout ça. Et à table, venez choisir vos couverts, les filles.
là. Et on court pas, on va se faire mailler le four qui est ouvert. Il y a le four qui est ouvert, on fait le tour. Je vous retrouve plus tard. Bon, je vous ai pas trop fait voir mon repas. Du coup, j'ai mangé 2 œufs à la coque et du coup, je me suis fait des petites mouillettes. Mais mouillettes comme les filles en fait. J'ai fait des petites tartines, donc pain de mie, tomates, enfin coulis de tomates, jambon de poulet et un petit peu de gruyère. Honnêtement, à part le gruyère et le pain de mie, il n'y a rien de trop calorique. J'ai mangé après de purée de courgettes que j'avais faite maison, donc du coup, c'est de ce midi. Bref, voilà, là j'attaque le montage. Bébé Raph fait des petits apartés par moment, donc je vais vite terminer mon montage, exporter tout ça, et en espérant que du coup le vlog s'exporte rapidement, parce que franchement il dure pratiquement 40 minutes. J'espère que vous avez le temps de prendre un café, tout ce que vous voulez en regardant ce vlog, mais bon, vu que je vous explique par rapport à Léonie, ça prend beaucoup de temps. Pardon pour le bruit derrière. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Ciao.